peu à gauche, 64 en haut, 64 en bas, et c'est pas aligné. Mais je comprends pas, parce que en théorie ça devrait marcher, mais en pratique, pas du tout. Ah, vous êtes là-bas, j'arrive. Ami Valalien et ami Valalien, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va encore bricoler. Alors désolé pour les néophytes, je pense que ça va pas vous plaire. Je vais essayer d'utiliser des termes très simples, c'est une vidéo qui va être assez courte. J'ai essayé de changer moi-même les supports moteurs de mon bateau. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Eh ben, vous allez le découvrir dans ce petit épisode du Valala, le petit voilier. Alors déjà, je voulais préciser une petite chose. Je voulais surtout dire à Laurent de la chaîne Les Chroniques du Brescou qui devait venir avec moi pour filmer tout ça. Je suis désolé, j'ai eu un petit trou dans mon planning. Du coup, j'ai sauté dans la brèche pour pouvoir faire ça. Et en fait, finalement, eh bien, c'était un bien pour un mal parce que à trois dans le bateau pour filmer et en même temps bricoler, ça aurait été pas du tout possible. Donc Laurent, recontacte-moi et tu reviendras quand même à Le 4. On fera une bonne vidéo et on ira naviguer ensemble. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Alors dans cette vidéo, il va y avoir beaucoup de parlotte, je suis désolé. Bon, bah c'est dimanche, on a un petit 49, ça va, tranquille. Le temps idéal à Le 4. Donc j'ai sorti mon bateau de l'eau pendant 4 jours. J'ai caréné la coque, c'est-à-dire que j'ai gratté les coquillages qui étaient dessus. Le deuxième jour, on a commencé à faire les supports moteurs et ben, on a eu un temps exécrable. C'était vraiment la pire semaine de l'année et c'était celle-ci. Donc c'était ben, juste impossible de filmer en fait. Après, gratter des coques de bateau, passer un coup de karcher et faire de la peinture, il y a des chaînes de bateaux qui font ça beaucoup mieux que moi. Donc vous pouvez aller voir comment on fait un carénage, c'est pas intéressant. Nous, le sujet principal, c'est les supports moteurs. Cette nuit, on a peu de chance, on a eu genre une mini tempête, je vous montrais dehors. On a eu pas trop de dégâts. Il y a juste le panneau solaire qui est sur la capote qui a réussi à se décrocher. Mais il pleut, ça fait 4 jours qu'il pleut et on peut vraiment pas faire grand chose. Mais je vais vous montrer parce que je suis quand même contente, on a réussi à avancer sur les travaux du chantier du bateau et ça c'est cool. Alors sachez déjà que tout ce que je veux dire c'est uniquement valable pour mon bateau. Voilà, moi j'ai un bateau avec un petit moteur, donc il est très facile de le lever, de le déplacer. Peut-être qu'avec des gros moteurs ça ne fonctionnera pas de la même chose. Déjà le premier conseil que je pourrais donner avant de faire tout ça, c'est d'observer bien votre moteur parce que moi je me suis rendu compte que finalement il y en avait déjà un qui avait été changé. Regardez, celui-là il est beaucoup plus noir que les autres. Les autres sont gris, voire rouillés, et celui-là avait déjà été changé. Et quand on regarde d'un peu plus près, eh ben on voit que ce n'est pas le même, puisqu'en fait, il est quelques centimètres plus bas que les autres. Donc déjà, à la base, il y avait un souci. Il y avait un souci, je pense, d'alignement moteur. Parce que les 4 signal blocs n'étaient pas les mêmes, c'est flagrant. Donc déjà, le premier conseil que je vous donnerai déjà, soyez très très attentifs et observez bien ce que vous avez sur votre bateau. Parce que moi, franchement, j'ai beau regarder mon moteur souvent, je n'avais pas remarqué qu'il y en avait un différent des autres. Alors là, c'est flagrant parce qu'on est à la lumière, mais quand les cylindre blocks sont cachés dans la cale moteur, dans la pénombre, eh bien, c'est assez difficile de se rendre compte de cette petite différence. Et ce qui est plus embêtant, c'est qu'il y a surtout une différence de hauteur. Donc finalement, c'est quand même un peu problématique. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi changer les signal block moteurs qui sont en fait, vous voyez, qui sont là. Et là, c'est rien, c'est la lumière qui se casse la figure. Pourquoi les changer? Eh bien, on les change tout simplement parce que le moteur à chaud a des fortes vibrations et moi ça me faisait vibrer l'arbre d'hélice et en fait ça me faisait fuir waouh, super, c'est du direct. Ça me faisait l'arbre d'hélice ici bougeait tellement que ici ça me faisait goûter le joint puisque en fait après là c'est l'eau hein. On est dans l'eau après. Donc avec les vibrations du moteur, ça faisait vibrer l'arbre d'hélice et ça me faisait des fuites assez grosses et assez importantes ici. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les changer.
Alors, on va revenir sur l'état des caoutchoucs. Évidemment, effectivement, on voit bien que, notamment celui-ci, je vais vous montrer. On voit bien que ils étaient complètement foutus. Voilà, ça c'est des supports de moteur qui avaient l'âge du bateau. J'ai pas pu filmer puisqu'on était deux. Grand merci à Didier qui m'a aidé pendant 2 jours parce qu'on a mis 2 jours à faire ça. Le principe, vous n'avez pas besoin de lever le moteur. Vous calez votre moteur et après, moi je viens dévisser. Vous voyez, le cylindre bloc, il est monté là avec ses vis sur le bâti moteur. Il est fixé sur une patte avec des écrous. Donc moi, j'ai désaccouplé l'arbre d'hélice. Alors je vais vous expliquer comment après, parce que finalement ça s'est pas passé comme prévu. Donc on a enlevé ces boulons là, on a défait cette patte et défait les vis ici, le moteur calé. Comme ça on a sorti l'ensemble et on a remis le neuf. On a suivi les indications en disant qu'il fallait essayer de les remettre à peu près au même réglage pour faciliter le réglage du moteur. Et ça, vous allez voir que finalement, c'est pas une bonne idée. Donc on a fait comme ça pour les 4. Et on a calé le moteur par en dessous en fait. Malgré que ce soit un petit moteur, nous avons quand même assez de place en dessous pour pouvoir mettre des cales. Pour pouvoir mettre des cales à l'avant et à l'arrière. Pour pouvoir enlever facilement, vous voyez, en fait, les petites pattes de fixation qui sont fixées sur le moteur. Alors ça, je dirais, la seule difficulté qu'il y a, c'est que les vis qui sont fixées sur le moteur sont extrêmement serrées, fortement. Il faut une force, heureusement que Didier était là, parce que moi, j'ai pas pu les desserrer, c'était trop serré. Ceux-là, ça va facilement. Les gros écrous de 24 là-haut, ça va aussi. Mais là, ceux qui sont fixés au moteur, c'était comment dirais-je, très difficile. Alors après, il faut alors avant d'enlever ces supports moteurs, il faut désaccoupler l'arbre d'hélice. Il faut le désaccoupler par ce qu'on appelle ici le tourteau, vous voyez. Et donc il faut enlever les 4 vis. Alors ici là, c'est pas les vis d'origine bien sûr, hein, voilà. Mais alors moi, regardez le problème que j'ai, c'est-à-dire qu'en fait, je vais vous montrer. Et ben en fait, on peut pas passer de clé. Vous avez vu? On peut pas passer de clé. Et c'était tellement serré qu'en fait, on n'a pas réussi à désaccoupler le tourteau. Alors dans un premier temps. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on était pris par le temps. On a désaccouplé ici. On a enlevé l'arbre d'hélice à ce niveau-là. On l'a reculé. Bon, alors on était à terre, hein, évidemment. On a reculé l'arbre d'hélice. Et après, on a changé les 4 supports moteurs, comme je vous expliquais. Et après, on a essayé, en fait, d'aligner le moteur pour que cet arbre d'hélice, il rentre facilement dans son emplacement. Ce qui a été, en fait, le cas. Donc on s'est dit, c'est super. On avait pris à peu près... attendez, je vais vous allumer. On avait relevé toutes les mesures des anciens cylindres blocs, donc de ça par du support moteur par rapport à ça. Vous voyez, donc support cylindre bloc moteur, support moteur. Pour se dire, ben, finalement, pour le remettre comme avant. Et en fait, ça, c'est pas une bonne idée. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 4 jours, les grutiers m'ont dit, il faut remettre à l'eau Valérie, parce que demain, ils annoncent du mauvais temps, et voilà. Donc du coup, on a remis à l'eau, et on a essayé. Et déjà, il y avait 10 fois moins de vibrations au niveau du moteur. Le joint Volvo, quand l'arbre d'hélice tournait, il s'appuyait plus. Mais il y avait un mouvement qui n'était pas correct, qui n'était pas conforme. Et là, on s'est dit, bah, c'est forcément parce que le moteur n'est pas aligné avec l'arbre d'hélice comme il faut. Il faut absolument démonter ce tourteau, ces 2 flasques qui sont vraiment inaccessibles sur mon bateau. On n'a pas le choix et il faut y aller. Et du coup, on s'est dit, bah, on va essayer. Alors, on a dit, on va essayer d'enlever ce tourteau là qui est vraiment mal placé. Mais on était déjà à flot là, déjà. J'étais revenu à ma place de port à cause du mauvais temps. Et du coup, on s'est dit, bah tant pis, tout le monde dit qu'il faut pas, que c'est dangereux.
Et bah tant pis, on n'avait pas le choix. Et là, on s'est rendu compte que quoi? Que le meuble se démontait. On n'avait pas vu. Regardez. Il y a des vis là. On n'avait pas vu que ce meuble se démontait. Et là, bingo! On a accès pile aux écrous et aux boulons du tourteau. On l'a pas vu. On était à terre, on l'a pas vu. On était dans le noir, dans le jus. Et bah on l'a pas vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah c'est qu'on n'a pas réussi à les enlever, les écrous, forcément. C'était tout bloqué. On les a coupés à la disqueuse. Et après, donc on a dû réaligner en fait les deux disques. C'est vraiment pas pratique, je suis désolé, je sais pas ce que ça va donner. Il faut que les deux disques que vous voyez là, qui font le joint, eh ben ils soient carrément bien alignés l'un sur l'autre. Il faut que la nervure, il n'y ait pas de jeu ni en bas ni en haut. Il faut que ça soit le même jeu partout. Et alors ça, ça pour moi c'est le plus dur en fait. Alors l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on s'est basé sur les réglages des anciens supports moteurs et en fait on n'aurait pas dû. On a tâtonné pendant une heure et au bout d'un moment on a dit allez c'est bon, on remet tout à plat. On a posé le moteur carrément en bas de tous les cylindres blocs et on est reparti de zéro et là en une demi-heure c'était fait. Donc déjà c'est énorme. Ça c'est un petit conseil que je vous donne. Ne prenez pas les anciennes mesures, ça sert à rien. Vous allez perdre votre temps. Parce qu'en théorie c'est facile, on dit oui, tu baisses l'arrière du bateau, l'arrière du moteur, ça descend, tu montes l'avant, ça descend le haut et ça écarte le bas. Mais en fait, c'est pas si simple que ça en pratique, je vous promets. Une fois qu'on a mis tous les supports moteurs et le moteur à zéro, il y en avait un qui regardait ce que ça faisait et moi j'étais à la clé, je montais, je descendais et on l'a réglé comme ça. Et là, ça a marché du feu de Dieu. Alors pour répondre à la question du début de vidéo, est-ce que ça vaut le coup de faire changer cette cylindre box soi-même? Bien sûr que oui, ça vaut le coup. Il faut être néanmoins observateur pour pouvoir regarder bien comment on va faire. Il faut aussi, moi j'ai eu la chance d'être entouré de gens formidables qui avaient les bons outils. Donc il faut avoir, je dirais, un petit cercle d'amis, voilà, avec des outils, parce que et qui ont un peu de jugeote aussi. Ça se fait. Et après, est-ce qu'on peut le faire à flot? Oui, nous on a réussi à désaccoupler le tourteau à flot sans problème. Il y a quelques gouttes qui tombent et après, une fois que vous touchez plus à l'arbre, il n'y a aucune raison que ça fuit. Donc vous pouvez le faire à flot. Vous pouvez aussi, rien n'empêche un jour, de désaccoupler votre tourteau et de réaligner votre moteur parce que nous, on s'est rendu compte que l'alignement qu'il avait avant qu'on l'échange et l'alignement qu'il a aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Le moteur est à peu près, on va dire, 4 cm plus bas qu'à l'origine. Ça veut dire que à l'origine, quand je l'ai acheté, le moteur n'était pas bien aligné avec l'arbre d'hélice. Déjà à la base. Donc déjà, si vous avez des grosses vibrations, vous pouvez tout simplement acheter chez Mano Mano une paire de cales entre 0,80 et 1 que vous mettez entre les deux lèvres du tourteau pour voir si vous avez le même jeu partout. Vous désaccouplez le tourteau et vous refaites un alignement. Il faut tout simplement que l'arbre d'hélice, que le tourteau, les deux pièces de tourteau rentrent l'une dans l'autre toute seule, sans que l'arbre d'hélice vous ayez à le monter ni à le descendre. C'est pas l'arbre d'hélice qui s'adapte au moteur, c'est le moteur qui vient s'adapter à l'arbre d'hélice. Et une fois que c'est rentré pile poil, vous êtes bien aligné. Voilà, c'était la petite astuce du jour, les amis. Alors attention, cette vidéo n'est pas un tuto, c'est juste un retour d'expérience en fait, pour que je partage avec tous les gens qui aiment faire du bateau et qui ont un bateau. Alors, on va venir au coût global de ce chantier qui aura duré donc 5 jours. Donc, le prix des cylindres blocs, c'était 400 €. Les anodes, une quarantaine d'euros. La peinture pour la coque, j'y ai acheté un pot à 95 €. Mais il faut aussi savoir que Gérard, de la chaîne Vasimolo, m'a donné un pot de 2,5 litres qui était quasiment neuf. Donc merci à toi Gérard, j'ai fait des grosses économies grâce à toi. La mise à terre du bateau, les 4 jours à terre plus la remise à l'eau avec la grue, ça m'a coûté 310 €.
Et enfin, je compte à peu près 50 euros de pièces diverses, des rondelles, des boulons, des écrous. Donc ça fait un chantier pour 5 jours à 950 euros. Je dois aussi dire que eh bien, ce chantier-là, je l'ai beaucoup mieux vécu que mon premier chantier. J'ai trouvé vraiment un réel plaisir de travailler et à m'occuper de mon bateau, ce qui n'avait pas été le cas lors du premier chantier, car je trouve que c'est vraiment un ascenseur émotionnel. On a des joies, des déceptions, et ça fait le yo-yo en fait. Donc quelle déception quand j'ai vu qu'on ne pouvait pas enlever le tourteau au début, quoi. Et donc ça, tout ça, il faut gérer ses émotions, c'est assez compliqué. Mais à la fin, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère que la prochaine fois que je ferai un chantier pour mon bateau, ça sera le cas également. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir supporté, d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu pompeuse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où là, on va naviguer ensemble. En attendant, je vous souhaite bon vent à tous et ciao, bye bye. Je suis plus là, je m'en vais.